Allez, les sauts des 40 ans repoussent maintenant la première demi-finale. Un essai dans les intérieurs, Alexandre Schneider qui prend l'avantage. On a également Otman Rizzi pour Thomas, mais Félix Lévis intercale une femme du grand champ pour Tony Mander. Il est en deuxième position, Otman Rizzi à la troisième place et la quatrième position. Elle est pour Fabrice Walter, le pilote décerné, alors que derrière, ça pousse encore pour Yann Roturier pour tenter de revenir. Toujours, c'est Anthony des grands champs maintenant qui a repris l'avantage. Alexandre Schneider en deuxième position, Otman Rizzi à la troisième place. Et pour la quatrième position, eh bien ce sera Fabrice Walter, à moins qu'il y ait un retour de Yann Roturier dans les derniers mètres de course. Allez, la deuxième demi-finale chez les hommes de 40 ans et plus, avec Yannick Larrivaudière et Ludovic Lecoultre. C'est Yannick Larrivaudière, le pilote chemin qui prend l'avantage. Ludovic Lecoultre en deuxième position pour Saint-Avold, de la troisième place, elle est pour Sylvestre Arton de Strasbourg. Et la quatrième position pour l'instant, c'est Saint-Georges. David Ojac qui obtient sa qualification pour la grande finale. Mais il va falloir surveiller Eric Daché également pour Saint-Avold. Il est en cinquième position, toujours Yannick Larrivaudière qui va aller chercher la qualification pour la grande finale en compagnie de Ludovic Lecoultre. En compagnie de Sylvestre Arton. Et pour la dernière place, eh bien, c'est David Ojac. David Ojac qui devrait se qualifier lui aussi pour la grande finale.